même, vous pouvez un seul instant compter sur eux pour espérer une action similaire à celle qu'on a observée en France. Justement, est-ce qu'on peut compter sur nos parlementaires pour créer déjà des faits choc que le Parlement français vient de donner à Emmanuel Macron et son gouvernement? Eh bien, ça serait très difficile parce que Aristide Monod vous explique exactement ce qui se passe avec le Parlement camerounais et pourquoi en réalité on devait cesser à les appeler les représentants du peuple. Ils sont 28. UNDP 7, supposons, donc le nombre en février 2020. UNDP 7, SDF 5, PCRN 5, UDC 4, FSNC 3, MDR 2, UMS 2. Ça fait 28. La loi dit au moins le tiers des membres, au moins 60. C'est pourquoi je posais la question, est-ce que, même avec ces 28, est-ce que certains dans le RDPC ne peuvent pas? Effectivement, Serge, lorsque j'ai commencé à évoquer la question de la légitimité de ceux qui sont choisis au RDPC, c'était tout simplement pour mettre en avant le fait qu'à un moment, lorsque l'intérêt de la nation, l'intérêt supérieur de la nation est menacé, on se défait de la discipline du parti. Quitte à ce qu'on ne soit pas investi en 2026? Non, lorsqu'il y a démocratie à l'intérieur du parti, on n'a pas besoin d'avoir peur parce qu'on sait que c'est la base qui va réagir, c'est la base qui va finalement choisir. Oui. Mais lorsqu'on a des gens qui ont acheté leur poste, des gens qui sont là, qui bénéficient des privilèges indus à l'Assemblée nationale, qui sont en fait des complices de la malgouvernance, les complices de l'exécutif qui leur accordent de temps en temps quelques marchés publics en back-office. Est-ce que vous pouvez vous attendre à ce qu'un jour, ces gens puissent scier la branche sur laquelle ils sont totalement posés? Donc, ce n'est que ça qui rend l'action difficile. Il n'y a pas une question de discipline du parti, le mandat impératif étant nul, et au-delà même du mandat impératif qui est nul, il y a le fait qu'il y a des questions de souveraineté, des questions fondamentales qui devraient normalement faire en sorte que même si on est foncièrement attaché à une certaine idéologie, du moment où la patrie, la nation est en difficulté, on est obligé de se désolidariser ou de témoigner à l'endroit du parti ce que le professeur Magloire Ondoa a toujours appelé le devoir d'ingratitude, pour ne même pas parler de l'obligation d'ingratitude. Voilà. Angelbert Bondatois, il a dit, hein, docteur Monod, les occasions n'ont pas manqué jusque-là. On a ce projet de loi de finances qui fait jaser depuis quelques jours. C'est une occasion comme ça pour une motion de censure, pas du mouvement pour le gouvernement Dion Gouté, même avec la minorité de l'opposition au Parlement, comptant bien sûr sur quelques élus et ADPC. Non, je veux dire que lorsqu'on connaît ce Parlement-là, le Parlement, notre Parlement camerounais actuel, Oui, on a beau dire qu'on n'a pas manqué d'occasion pour censurer le gouvernement Dion Gouté. Mais voilà là où les gars se posent la question de savoir si le MRC n'avait pas boycotté les élections de 2020. Peut-être la donne serait différente. Tout comme Emmanuel Macron a justifié qu'il a fait qu'il a dissous l'Assemblée pour le bien du peuple français. Maurice Kamto avait dit en son temps qu'il a fait pour le bien des militants et donc pour les Camerounais, la branche de la Renaissance. Mais suivez ce que le représentant du MRC sur le plateau de Serge Alain Otto dit à propos. Le passé, vous savez que depuis pratiquement 60 ans aujourd'hui, nous sommes à peine à notre quatrième président de l'Assemblée nationale avec celui qui est en poste en ce moment et là depuis pratiquement 32 ans. Donc quand on est dans un fleuve tranquille comme celui-là, il ne faut pas attendre du miracle. Et je pense que moi, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est quand même l'incident vient de la loi des finances. Les textes sont clairs. Il y a un délai imparti maximum pour déposer le projet de loi de finances. Mais tous les ans, l'exécutif n'a pour seul acte à faire que d'infantiliser les députés, de les mépriser et c'est un manque
de respect. Un manque de respect pour les députés et un manque de respect pour le peuple, si tant est que ces députés-là représentent le peuple. Et quand vous faites même une analyse de manière globale, cette attitude de mépris revient à tous les niveaux de la vie de tous les jours. Mais moi, ce que je trouve regrettable, c'est vrai que on a un Parlement qui est aujourd'hui en majorité obèse pour le RDPC, mais il serait bon de temps en temps que les députés se départissent de leur casquette politique et comprennent qu'il y a des moments, comme disait Aristide, quand les enjeux de la nation s'imposent, qu'ils aient ce petit sursaut patriotique et qu'ils puissent, même pour une fois, dire à leur propre parti, c'est-à-dire qu'à nos gouvernants, qu'une république ne se gère pas ainsi. Malheureusement, nous ne pouvons pas avoir des joies comme celles des Français aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde savait que toutes les lois depuis un moment passaient par avec à travers le fameux 49-3, oui. À travers le fameux 49-3. Mais le sursaut des élus de l'opposition au Cameroun, parce que si vous voyez un peu des élus de la gauche se mettre ensemble avec l'extrême droite pour faire passer un message au gouvernement Macron, ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est un sursaut patriotique qui anime les députés. Bon, dommage, je pense que on attendra de rêver longtemps pour voir ce type donc, de scénario au Cameroun, même si vous l'avez précisé dans votre jeu que cela est prévu dans notre loi fondamentale.